Et eh bien salut à toutes et à tous il est 16 h j'espère que vous allez tous très bien en tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui en facecam pour un nouveau world tour de Madventure pourquoi je suis en facecam pour la simple et bonne raison qu'il se pourrait bien que cette vidéo soit super longue parce que non mais Madventure il se passe beaucoup trop de choses pour ce world tour je vais vous montrer mais des trucs mais c'est incroyable on a Firestorm Anaïs et BXno qui sont les plus actifs sur le serveur en ce moment euh, Créo il est un petit peu voilà hein, et on va pas en parler de, de Créo et puis moi fais j'en fais aussi partie je suis pas très actif sur Madventure on va pas se mentir il faut préparer l'épisode 100 on sait pas quand on tournera l'épisode 100 ça va être incroyable donc bon on verra quand ça viendra bref aujourd'hui World Tour c'est surtout Firestorm et Anaïs qui font énormément de choses alors bah voilà <laughs> regardez devant vous on reconnaît même plus où c'est qu'on est en fait on est juste devant la maison de, de BXno en fait hein. pour vous montrer regardez ici c'est là qu'il y a la maison hantée donc euh, mon ancienne maison euh, ici on a le Madventure 2.0 donc vous voyez à peu près ici c'est la c'est la montagne euh, une petite montagne, là il y a la plage de BX no. et donc il y a les skins des participants de ma Donc on me voit, voilà, on voit BX Snow, Tunfu, Creo, Firestorm et Anaïs pour le moment. Donc il y aura probablement peut-être d'autres skins qui vont se rajouter. En haut on a la tour de Firestorm. Je vous invite si vous ne l'avez pas encore vu à regarder le world tour numéro 1. Euh, donc voilà, je vous l'avais montré. Ici, voilà une salle à mob que c'est Firestorm qui a réalisé. Et par contre, plein de nouveautés. Et que je vais même découvrir en direct avec vous parce qu'il y a des trucs que je sais pas où c'est que ça se passe, mais je sais qu'il y a des nouveaux trucs, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va, on va se balader, je vais déjà vous montrer ce que je sais, euh, ce qui a bougé. Bah attendez, est-ce que je peux vous montrer peut-être... Bon alors donc l'avancée de la plage de BX no. Euh, C'est pas euh, je, je crois que c'était déjà comme ça dans le premier world tour que j'ai réalisé. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la description les points de vue des autres participants. Je mettrai tout dans la description, donc tous les participants de ma aventure. Euh, ici quand on descend, il me semble que je vous n'avez pas enfin euh, que vous avez pas vu euh, en tout cas euh, sur ma chaîne, il y a une salle à mob euh, euh, une machine à poulet automatique. C'est Firestorm qui l'a réalisé. Voilà, je voulais euh, le faire à la base, euh, voilà, mais je suis je suis nul, voilà, je... Firestorm euh, a dragué BXNo à ma place. Ouais ouais je le prends un peu mal ouais c'est pas grave donc voilà il y a une machine à, à poulet juste ici en fait avec des, des œufs et tout il suffit juste en fait de mettre des œufs si vous voulez euh, dans ce coffre et comme ça après ça fait éclore des poulets euh, super rapidement et comme ça ici il y a le poulet voilà donc après elle le met elle le met dans ce coffre ensuite ça se dis dispatch très rapidement dans les fours et elle a plus qu'à récupérer le poulet et ça lui fait de l'XP en fait c'est une petite machine à XP ok euh, dans le tunnel il n'y a rien qui a bougé, à part que les minecarts ont déraillé. Donc ce qu'on va faire, c'est ce qu qu'on va prendre un minecart et on va descendre, d'accord Wow, oh, sensation maximale. Donc ça c'est notre tunnel qui relie la maison de BXNO à la maison... Ah oh, non, je repars en arrière, vas-y, euh, je me jette. Ça, ça, c'est le bordel. Donc là, on va direction ma maison, mais vous allez voir, il y a plein de nouveaux trucs, c'est assez incroyable. C'est la folie, c'est la folie. Donc rappelons qu'à droite, on va dans notre Nether artificiel. Euh oui, c'est ça, donc pour aller au portail du Nether. Donc on va pas y aller hein. ça jusque là vous savez, en montant les escaliers, on arrive euh, à ma maison qui est donc mon ancienne maison encore, voilà, c'est encore une ancienne maison mais qui est toujours un petit peu habitée mais parce que je vous rappelle que j'ai euh, construit une nouvelle maison par là-bas. Oh, Créo qui a fait un arc-en-ciel sur sa maison, je viens de le découvrir en direct. Là-bas, il y a un game et une tête de creeper qui a été ajoutée, on va y aller, je vais vous montrer. Mais d'abord, mais d'abord justement pour y aller, regardez le tunnel qui relie la maison de BxNo à la mienne a été euh a été un petit peu boycotté. Alors, regardez, je vais vous montrer. Il y a un petit bouton caché ici. En appuyant dessus. Il y a ceci qui s'ouvre. Et là, c'est le drame. C'est le drame. Alors attendez. Comment on referme Ah, ça se referme automatiquement, je ne savais pas. En fait, voilà ce qui se passe. Est-ce que j'ai des sur moi Non, on ne peut pas aller plus vite, c'est dommage. Ils ont fait des tunnels pour se relier de maison en maison. C'est-à-dire que là, on est relié à la maison de Firestorm, la maison d'Anaïs, la maison de Créo. Il y a plein de passages secrets. Oh là là, le... Mais c'est magnifique, c'est magnifique, mais c'est un peu abusé. Ok, il y a rien dans ce coffre. Là, il y a tout ce qui est bloc de construction, j'imagine. Là, je découvre par contre, parce que ça ressemblait pas à ça avant, c'est quoi, ça, c'est des blocs bleus. Donc là, par exemple, ça mène où là Regardez. Voilà, là, on a un petit passage secret, je crois que ça mène chez Firestorm. Alors là, il faut appuyer sur le bouton. Et là, on est chez Firestorm, dans la piscine de Firestorm. Vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte le bordel. Par contre, on fait comment pour y retourner ah merde, on peut plus y retourner, les potes. On peut plus y retourner, j'aurais pas dû prendre la sortie. Bon, bref, bah imaginez que dans les sous-sols, toutes les maisons c'est comme ça en gros. Et il euh, y a plein de passages secrets qui relient à, à, aux autres maisons en fait, hein, tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir euh, directement. Alors, la forêt de Corus, ça a pas changé, hein, je tiens à vous le dire, ça a pas changé. La maison de Créo, ça a pas changé. Juste qu'il y, euh, y a du coup, euh... oh si attendez je vois de la couleur à l'intérieur, on va vite aller check Mais il y a un arc-en-ciel en fait euh, sur le toit, mais donc c'est juste la grosse nouveauté que je viens de voir Mais à l'intérieur il y a de la couleur, regardez Il y a de la couleur qu'il n'y avait pas avant Ah ouais Il y a plein de couleurs, mais je sais pas si c'est un troll je... Oh là je crois que créo il s'est encore fait troller hein. Je crois que Creo s'est encore fait troller Ah non c'est fait exprès je pense C'est sympa hein, ça fait vraiment, ça change euh, l'ambiance de sa maison Ah oui non là il s'est fait troller là Là, il s'est fait troller en fait. Nya, 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 nya. Ah, c'est les nyan cat. Oh oui, c'est totalement fait troller. En fait, c'est pas lui du tout qui a décidé euh, ainsi euh, de la déco. Suprême, New York, Nike, Nike. Ok, les placements. Ah, c'est des placements de produits. La casquette New York, la ca le, le t-shirt suprême et les baskets Nike. Excellent. Ah, oh, il s'est fait troll en beauté, le pauvre Créo. Ah, bah là, regardez, il y a un passage secret ici. Regardez, si je me mets ici et que j'ouvre le coffre. Ah, <laughs> voilà. Et ça fait revenir dans ce tunnel. C'est incroyable. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'Anaïs qui montre tout ça en détail. Comme dit, tout est dans la description. Vous pouvez y retrouver. Vous y retrouver. Et là, on monte chez Créo normalement. Donc on va pas le refaire. Mais on va reprendre du coup les. On va reprendre les tunnels. Et euh... Et je vais vous montrer du coup c'est quoi. Il y a plein de nouvelles constructions que vous ne vous imaginez même pas. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Donc là c'est chez Créo. Et là c'est chez Anaïs. Donc on va aller chez Anaïs du coup. Euh, je sais pas s'il y a des nouveaux trucs chez Anaïs, du coup on va aller voir ça directement. Donc là, Là c'est une descente, j'imagine c'est pour descendre. Et là, nous, ce qu'on veut, c'est monter. Donc on va continuer de suivre le chemin, c'est gigantesque. C'est des galeries à, à perte de vue. Mais Firestorm, il geek à fond. Hein. Anaïs aussi, mais je sais que Firestorm, il est tout le temps connecté sur le serveur. Donc là, pareil, on appuie sur le bouton. Et hop, on arrive chez Anaïs. Alors, oui, alors ça c'est incroyable. Donc là, la maison d'Anaïs, ça n'a pas bougé. On a des petits cœurs, voilà, on a des petits cœurs. Moi je Je montre, hein. N'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter de Madventure. Arrobas Twitter. Euh... Non, arrobas Madventure Regardez, c'est juste mon reste de laine. En fait, c'est Créo. Créo il drague Anaïs avec des petits cœurs par-ci par-là. Oui, il est amoureux. Donc voilà, et moi je, je balance des doses, hein. Je balance des doses. C'est d'exclu M. L'intérieur. Euh, What the fuck? Ah ok oh, Et j'ai eu peur, je me suis dit il y a une poulpe qui est buggée mais non c'est une tête d'un Dragon. Donc voilà, petite maison d'analyse et en plus on peut être à l'intérieur. La... Regardez, ça j'aime bien. Ça j'aime bien cette idée, euh... je sais plus comment ça s'appelle, mais... Je sais plus comment ça s'appelle, mais qu'on peut être à l'intérieur pour se changer, non Bon, enfin voilà. Un paravent. Non, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc de para. Donc euh... Donc voilà. Alors ce qu'on va faire les amis maintenant, sans plus tarder, on va se rendre à ce que vous vous demandez tous, la salle, le cube rouge, où c'est écrit euh, game. Ah non c'est bleu pardon je, je confonds mes couleurs je suis daltonien voilà qu'est-ce que c'est que ça c'est également Firestorm qui a fait ça hein, avec un, un petit pont c'est n'importe quoi il y a tous les styles euh, tous les styles de, de construction euh, l'un à côté de l'autre en fait c'est une salle à jeu. alors attends, attends attends je vais vous montrer d'abord la tête de Creeper on va commencer par ça ici c'est une tête de Creeper que vous avez vu tout à l'heure c'est une usine à c'est une usine à Creeper tout simplement c'est une, euh, une usine à une usine à CD pardon d'ailleurs tous les CD ont été récoltés hein, dans la salle à CD donc voilà c'est simple on a un squelette qui est normalement bah, il est plus là ah si, on l'entend. Comment on fait pour le voir Parce que normalement on pouvait le voir. Ah bah il est là, regardez. Usopp. Voilà, il est là le squelette. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur le bouton. Et ça fait tomber un creeper. Je sais même pas comment le système fonctionne. En tout cas, visiblement ça fonctionne pas. Donc comme ça, voilà, l'affaire est réglée. Normalement il y a un creeper qui était censé tomber. Et puis comme ça, après il y a juste à se mettre là, le creeper nous tire dessus. Y'a rien qui fonctionne Y'a rien qui fonctionne Et bref du coup après... Euh... Ah j'avais pas vu qu'il y avait les loots qui se mettaient dedans, voilà. Mais bref, tous les CD, Bon, de bah, toute façon vous les voyez, tous les CD sont là. Et euh, tous les CD sont dans la salle à CD, ça sert à rien d'aller voir. Euh... Oh, allez, c'est quoi, vous voulez voir On va aller voir, de toute façon le soleil se couche. Donc on va, on va aller voir, vous savez quoi, c'est par là-bas. On va aller à la salle à CD. Est-ce que j'ai... Non j'ai pas de lit sur moi. Bon on va faire un petit aller-retour inutile. On va aller à la, à la salle à CD et puis on va aller dormir. Et puis comme ça je vais vous montrer euh, tout le reste, les amis. C'est incroyable. Les, les avancées de, de ma bon mais surtout euh, vous, vous, vous avez pas idée de tout ce qui a été construit et tout ce qui n'a pas été dit et que je vais vous montrer c'est incroyable ah mais attendez non j'allais dire on va dormir chez Créo, mais non on va pas gâcher du temps de, de la journée on va d'abord aller euh, à la salle à objectifs comme ça vous allez voir euh, tous les objectifs euh, réalisés enfin bref c'est incroyable <laughs> on rentre dans la salle à objectifs il fait sombre hein il fait sombre donc ici on a les armures, ça sert à rien. Voilà, et puis des blocs, ça sert à rien de. Vous l'avez déjà vu. Voilà, donc là on a tous les CD qui ont été posés. Vous les voyez. Bon là on voit pas grand chose avec la. Et c'est quoi Je vais enlever mon shader. Je vais enlever mon shader le temps qu'il fasse nuit. Comme ça, on verra beaucoup mieux. Et ce sera beaucoup plus sympa. Excusez-moi, je viens de cogner mon micro avec mon casque. C'est pas très professionnel. Voilà, il y a tous les CD euh, qui ont été récupérés. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, les 12 CD. Donc, euh, donc voilà, d'ailleurs vous savez quoi On va passer par la maison hantée, voilà. On va prendre ce chemin, ça fait très longtemps qu'on l'a pas pris, que je l'ai jamais pris, voilà, c'est vrai que voilà, autant en profiter. On a fait ça à l'épisode je sais pas combien mais ça remonte. Donc on va y aller et là on accède à notre toute première maison. Donc euh, actuellement notre maison hantée avec euh, la petite cascade d'eau juste ici. Faut faire attention qu'il n'y ait pas des mobs. Voilà. Pourquoi c'est pété là Il y, y a des trucs qui sont pétés y a des gens, ils passent par là et. C'est cassé Les mecs Pourquoi c'est cassé eh, est, les, les mecs, ils font n'importe quoi sur ma aventure. Je sais pas comment ça se fait. Bon. Oh, oh Ok, j'ai compris. C'est à cause des creepers. <laughs> c'est à cause des creepers. Bon. Eh on se taille. On s'arrache. On s'arrache. Et ce qu'on va faire. Je vais faire d'autres euh, vidéos sur ma aventure. Des spéciales parce que j'ai fait des trucs de fou moi-même. Avec BXNO. Je vous ai déjà teasé. Donc je vous montrerai très rapidement dans une future vidéo on va vite aller dans ma nouvelle maison voilà on est en sécurité on est cosy on va ah mais je peux même pas dormir parce qu'il y a des mobs à côté c'est une blague je peux même pas il y a des mobs je peux même pas dormir <laughs> c'est de la merde ah c'est parce que mon lit est trop éloigné mais non il y a des monstres à proximité allez dégage dégagez dégagez devant chez moi là je veux je veux dormir merci dégage Allez on va se faire un petit CD hein, je rigole. Hein. Allez dégage mec. Oh ah <laughs> Il m'a looté un CD Eh hey, non mais ça c'est incroyable, on va vite dormir. Non ce qui vient de se passer est incroyable en direct, il vient de me looter un CD, ça ne m'est jamais arrivé en 1.1 ni en 1.12 ni en 1.13. Ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est pour ça qu'on avait fait des systèmes de, de salle à, à mob et tout, puisque... Vous vous rendez compte, je me bats depuis des épisodes. Quand Madventure était encore sous euh, format d'épisodes je me battais pour avoir des CD j'avais abandonné. Et là, je viens d'avoir. Eh, hey, c'est symbolique. C'est symbolique ce qui vient de se passer. C'est symbolique. On va le mettre ici. Oh ce CD est symbolique, les amis. J'ai remis le shader. Bon, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher là-bas. Je vais vous montrer la salle à jeu que Firestorm a réalisé Et ensuite, on va aller se balader tout le temps vers là-bas. Et vous allez voir que la map de Madventure, ça n'a plus rien à voir. Pour vous, Madventure, et pour moi aussi, ça se limitait à cette zone. Madventure, c'est. Cette... Qu'est-ce qu'il y a là-bas je, je, je sais pas. On va pas regarder. Je, je sais pas ce qui se passe. Mais ma aventure, ça se limitait à cette zone. Tu vois, donc ça, c'était le pilier principal. Hein, ma, ma maison euh, hantée, du coup. Et c'était tout autour qu'il y avait tout un, tout un village qui se créait. Et maintenant, ça se développe beaucoup plus loin que, 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 nous, le, que nous ne l'imaginions. A savoir que vous voyez euh, là où on a chopé euh, avec BXNO donc pour avoir un dauphin et euh, le capturer pour le mettre dans notre, euh, dans notre euh, aquarium. Et eh bien jusque là-bas, dites-vous c'est loin quand même, c'est assez loin, on va y aller. Dites-vous que jusque là-bas, euh, le village de Madventure s'étend, c'est juste incroyable. On va aller voir ça dans un instant. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, ça fait même pas 15 minutes encore, donc c'est cool. On, on gratte, on gratte, c'est sympa. Donc voilà, game, on arrive dans cette salle à jeu. Vous allez. Oh, j'avais pas vu, il y a des moutons. Très bien, donc on a un ascenseur, on clique sur le bouton et on descend dans les entrailles. Et vous allez voir, Firestorm il a fait un petit truc. Voilà, c'est si jamais tu te fais chier, tu viens ici. Je suis pas fan à 100% si je puis me permettre, mais le système est assez bien pensé. Donc, on a des petits poissons tout autour. Ça me fait penser justement le projet que je vous montrerai. Enfin, le, le truc qu'on a réalisé avec BXNO. Je, je vous montrerai très rapidement. Donc, en fait, c'est une salle à jeu. Euh, avant tout, lis les règles jusqu'au bout. Merci. Voilà. On va pas les lire, je vais vous les expliquer directement. Ce sera plus simple. En gros, ici, on a. Euh, non, je vais peut-être vous expliquer différemment. Je sais pas comment expliquer. En gros, t'appuies sur le bouton qui est juste au-dessus. Et ça va tirer ici 3 items au hasard. C'est l'indicateur de la machine. Ici, il y aura un item. Ici, il y aura un item. Et ici, il y aura un item. Dans le premier, euh, dans la première vie, tu aura un item. Et l'item, ce sera normalement euh, ceci. Ce sera un bloc, un bloc de, de laine. Et ça, c'est euh, quoi On va faire une mise en contexte. C'est bon, ça m'a saoulé. Vous allez comprendre. Je vais appuyer sur le bouton. Et donc là, on a une épée en pierre. C'est une épée en pierre, ouais. Il faut retenir un lingot d'or et un bloc rouge. Ok Une laine rouge. Donc euh, faut savoir que veut dire l'épée en pierre. L'épée en pierre, ça veut dire tuer. Voilà. Tuer. Le lingot d'or ça signifie créo. Un pec. Et le bloc rouge. Le bloc rouge, ça signifie mécanicien-machinerie. Donc pour ça, on va lire euh, le livre. Le bloc rouge. Euh, alors faut, faut prendre la catégorie euh, tuer. Et alors le bloc rouge. Euh, ah mais je suis con le bloc rouge c'est mécanicien machinerie d'accord donc tuer mécanicien tuer le joueur à l'aide de piège en gros ce que je viens de tirer l'objectif ma mission mon but du jeu ça va être de tuer Créo euh, à l'aide de piège voilà tout simplement c'est aussi simple que ça et maintenant regardez on va refaire un tirage au sort par exemple c'est nouveau une épée en pierre donc faut tuer bon bah voilà euh, le diamant le diamant, le diamant, mais c'est moi ça je crois. Mkolo, ok, donc faut que je m'auto-tue. Très bien. Et on, là on a un bloc marron. Et le bloc marron ça veut dire euh, cavalier. D'accord, donc on prend le livre, on va dans la catégorie tuer. Et on cherche cavalier. Euh, cavalier, cavalier, avion de chasse, piggy, je trouve pas. Ah cavalier, tuer le joueur en étant à d'autres chevaux Donc ça veut dire qu'il faut que je m'auto-tue à d'autres chevaux Bref, vous voyez le délire du jeu. Il y a rien à gagner. Voilà, c'est juste pour le kiff. Voilà, il a voulu se faire un petit kiff. Je suis pas fan à 100% comme je l'ai dit. Ça, pour moi, ça sert à rien. Sincèrement, ça ne sert à rien. Mais le système est bien pensé. Je trouve ça assez, euh, assez rigolo. Voilà, ça c'est sympa. Et, euh, et je pense que on exploitera euh, ce jeu pour l'épisode 100 de Madventure. Je rappelle que pour l'épisode 100 de Madventure, j'aimerais qu'on soit un maximum sur le serveur. On se fera le weezer boss tous ensemble et on se fera voilà, des petits cache-caches, des petits jeux pour inaugurer, pour immortaliser le dernier épisode de Madventure. Voilà. Alors ce qu'on va faire, par contre, j'y ai pas pensé, c'est que euh, il va faire nuit, il va faire nuit. Euh, plus tard dans la journée, voilà, il va faire nuit. Donc on va juste récupérer un lit. Je sais je perds du temps. Je perds du temps, mais c'est voilà. Je regardez ce qu'il y a là-bas. Ah, a... ouais, ça c'est rien, ça. Ça c'est rien, c'est juste une petite construction. Vous allez voir, il y a énormément de trucs qui se sont rajoutés. Il y aura juste à suivre ce chemin. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant. D'abord, on va récupérer un lit. On va récupérer un lit. <laughs> J'aurais pu tuer les moutons si je voulais, c'est vrai. Mais on va récupérer un lit pour qu'on puisse dormir à n'importe quel moment euh, lorsqu'il fait nuit. Et comme ça, on verra toujours, euh, toujours bien. Donc, on va récupérer un lit dans, dans, la, dans la baraque. Je pense que je dois en avoir un. Et puis, au pire, sinon, je tuerai euh, vite fait euh, des moutons. Mais normalement, je devrais avoir ce qu'il me faut dans les coffres. Euh, tac, 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 tac. Donc, il me faut de la laine. J'en ai deux ici. Ça ne suffira pas. Ah, bah, c'est pas grave. On va se balader. On va, en, on va en croiser de la laine blanche. Vous inquiétez pas. Donc, on va y aller. On va pas perdre plus de temps. On va prendre le chemin de Firestorm et vous allez voir, c'est n'importe quoi. <laughs> ça n'a plus rien à voir et tout ce monde là, ça n'a rien à voir. Donc c'est parti, on y va. On prend le chemin. Donc là il y a le KFC euh, que j'ai renommé KCF pour des raisons de article 13. Donc vous connaissez, ça n'a pas changé. Ici il y a un petit chemin voilà pour relier euh, les chemins où on était euh, juste avant. Donc tout ça vous connaissez. Tout ça vous connaissez le K... le KCF vous connaissez. Mais maintenant, mais maintenant, c'est le drame. Et il y a trop de chemins, je sais pas où aller. Par exemple, on peut aller tout droit ou aller à gauche. Et je suggère qu'on aille à gauche. On va aller à gauche, voilà. On va aller à gauche, on prend ce petit chemin tranquillement. Ici, il y a une petite maison, voilà. Elle, elle sert à rien. Voilà, une petite maison. Firestorm se faisait chier, il a dû la faire. Par contre, maintenant, ça continue par là. On va y aller. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a une petite euh, structure. Ça fout un peu la rage à BXNO parce qu'en fait, elle voulait euh, elle-même en, en faire et elle en fera un. Euh, une, pardon, elle en fera une. Une écurie. Elle fera quand même une écurie chez elle, mais voilà, Firestorm a, a, a construit une écurie assez grande, avec déjà des, des chevaux à l'intérieur. Et hey, juste, juste en soutien à BxNo qui voulait déjà faire ça depuis longtemps, je n'irai pas choper de cheval dans cette écurie, voilà. Et là, regardez-moi, vous avez un petit port, voilà, avec des bateaux. Euh, vous avez, alors, voilà, je... <laughs> De toute façon, on va, on va s'en approcher, ne vous inquiétez pas. On va s'en approcher, on va tout simplement continuer de suivre le chemin. Euh... Ah bah non, bah là on arrive de nouveau chez Firestorm. Donc là voilà. Vous reconnaissez la maison de Firestorm euh, On a encore des chemins par ici. Je vais les suivre, je vais suivre le chemin. Là, donc vous reconnaissez ou pas C'est par là qu'on a fait euh, venir le dauphin. Hein. On a fait venir le... Ça ne ressemble plus à ça, il y avait plein d'arbres ici. Hein. Tout... Là où on est, il y avait plein d'arbres. Et on a fait passer le, le dauphin juste ici. Hein. Vous voyez Donc on va suivre le chemin. Il me semble que normalement ça va dévier à droite après. J'espère. Non, ça va à gauche. Ok, donc ça tourne en rond, donc il faut pas passer par là. Ok, c'est pas grave. Donc on va reprendre le chemin, euh, le chemin principal. Hein, on va reprendre l'axe principal pour euh, pour atteindre l'autre zone là-bas. Vous allez voir les constructions, mais vous voyez déjà à peu près ce qu'il y a, mais vous voyez rien en vrai. Hein. De là où on est, on voit rien du tout de tout ce qu'il y a à voir. Hein. C'est ça, ce qui est vraiment génial. Firestorm, il se régale. Firestorm, il se régale. Euh, clairement, il se, fait, il se fait des petits plaisirs, il se fait des gros plaisirs. Il passe ses journées sur Madventure, clairement. C'est incroyable. Franchement, ce qui serait bien, c'est qu'il filme tout ce qu'il fait. Hein, parce que clairement, il ne filme pas beaucoup. Hein. C'est dommage. Parce qu'avec tout ce qu'il fait, putain, il se ferait des millions de vues. Hein. Tout ce que j'ai fait sur ma aventure en 100 épisodes, euh, lui, il fait euh, le triple en, en, en deux journées. Donc on va continuer sur le chemin principal et vous allez voir. C'est incroyable. <laughs> c'est incroyable. Un peu trop abusé à mon goût, mais... Enfin, à mon goût. Moi, j'aime bien parce que du coup, il y a de la vie sur ma aventure, et ça, ça me plaît. Donc là, regardez, voilà. <laughs> Là, dites-vous que... Bon, donc dites-vous que là, il y avait plein d'arbres et que ça a été totalement déraciné. Et que là, on a fait venir le dauphin. Pour ceux qui ont vu l'épisode du dauphin avec, Mad, euh, avec BXNO sur Madventure, voilà, on était passé par là. Ça n'a plus rien à voir. Donc là, on passe. Voilà, il nous a fait un pont gigantesque, hein, euh, clairement. Ici, des plantations, en fait, voilà, je ne trouvais plus le mot, mais c'est des plantations. Là, c'est l'écurie où on était juste avant. Là il y a un coffre avec rien dedans. Et donc là il s'est fait un délire de mettre différents biomes. Donc là on a euh, un biome normal, voilà, un petit biome classique. Ici un biome de neige. Donc il a fait venir euh, des ours polaires en, en bateau du coup. Et c'est vrai, moi je savais pas la technique de mettre des mobs dans des bateaux, c'est tout con. Et nous on se faisait chier là à chaque fois pour ramener des mobs. Voilà. Ici un biome désert, voilà, avec des cactus ici, euh, en mode euh, abandonné, enfin en mode désert quoi. Quand t'es dans le désert, ici un petit temple, sympathique, j'aime bien, j'aime bien. Ici un biome de fleurs, j'imagine un biome plein. Ouais, je pense que c'est ça. Un biome de glace. Voilà, juste ici avec des, euh, des stalactites. Ici, c'est euh, un biome marin. Donc, c'est une sorte d'aquarium en fin de compte. Mais franchement, ça ne vaut pas ce que moi j'ai fait avec BXNO et que je vous montrerai dans une euh, vidéo très très rapidement. Dans quelques jours, je vous montrerai le truc de fou qu'on a fait depuis très longtemps. Avant même que tout ça se soit créé. Euh, donc, voilà. C'est assez incroyable. Et donc, là en fait, euh, voilà, oh là là, mais mon dieu, il y a ici une ferme. Voilà, une ferme. Euh, Pfff. Trop de trucs. Il y a trop de trucs à voir les potes. Donc là c'est toujours la salle à mode, la salle à mob de Firestorm. Ici je sais pas c'est quoi. Ah c'est une salle à une salle à C'est une porcherie. C'est une porcherie. Voilà. Bah tous les trucs que je n'ai jamais pensé sur ma aventure sont en train de se créer. On a une porcherie. Euh, ici une lapinerie. Voilà avec plein de lapins. Mais what the fuck Ici on a un... comment ça s'appelle ah merde Anaïs et Firestorm l'ont fait ensemble, enfin je, ou, en tout cas je sais qu'Anaïs euh, est responsable de ça, c'est un moulin, voilà ils ont fait un moulin, là ici ils ont fait une coloc, pardon j'ai cassé des feuilles, ils ont fait une coloc les potes, je vais vous montrer la chambre ridicule de BxNo et moi, c'est de la merde, <laughs> mais elle est bien la coloc sinon elle est sympa, un petit peu loin de tout, donc là on a une petite coloc, vous allez voir, bah, du coup on va pouvoir en profiter pour dormir, yes ça c'est bon ça, puisque le soleil se couche, petite coloc avec, vous allez voir ici, une Chambre vide, une salle vide, donc euh, on sait pas qui est là. Ici, on a euh, l'accueil. Qu'est-ce que je raconte C'est une cuisine, putain, c'est une coloc. Il n'y a pas d'accueil, c'est pas un hôtel. Ici, c'est la chambre de Arthur, donc Firestorm. Regardez-moi la chambre. D'ailleurs, regardez, je vais dormir dans son lit. Je me permets de dormir dans sa chambre luxueuse. Le mec, il s'est fait un plaisir. Il sait pas c'est quoi euh, l'intérêt d'une coloc, mais il est là. Il a tout, il a toute une armoire. Il a un grand lit. Il a euh, bon, son petit euh, porte-manteau. Voilà, enfin, son, sa petite salle. La salle de bain. Plutôt luxueuse. Et maintenant, je vais vous montrer la chambre de BXNO et moi. Donc là, on a un petit salon tranquillement. Un petit salon commun, ça reste une coloc. La salle à manger, très bien. On peut, on peut se mettre là tranquillement. Je vais vous montrer en haut, à l'étage. Oh, un petit aquarium. Dory et Nemo. Un petit. Euh, voilà. En haut, regardez. Chambre de Nicolas et Marion. Donc m -Colo et BXNO. Regardez la taille de notre chambre. Elle est aussi petite que la salle d'en bas. Alors que Firestorm, lui, il a une. une... Une chambre luxueuse, alors ok c'est lui qui a construit la coloc mais le principe d'une coloc c'est que c'est qu'on soit voilà. Regardez on doit se déplacer ici pour aller aux toilettes et se laver. Donc là il euh, y aura Bxno avec ses, ses nibars qui va se trimballer ici et moi je vais devoir faire le garde du corps. <laughs> la chambre de Corentin, c'est la chambre de Créo. Ah elle est petite aussi hein. Ouais je compatis Créo, soutien à toi. Hein. Là c'est la chambre d'Anaïs. Et là c'est une grande chambre bizarrement tu vois. Et là avec une salle de bain qui est intégrée à l'intérieur. Moi je trouve qu'il y a du favoritisme. Je, je trouve que Firestorm. En fait, Créo il drague Anaïs. Et euh, Firestorm drague Anaïs aussi. <laughs> il se passe des choses sur ma aventure. Moi je vous le dis. Hein. Il se passe des choses. Ah, moi j'ai de la chance. Moi je suis bien là. Enfin bon, dans une petite salle, en hein, remarque. Alors ici, donc on a une ferme. Et on va pas s'étaler plus là-dessus. Vous avez compris le délire. Il y a plein de trucs. La, la salle à mob je sais plus si je vous l'avais montré. Franchement je sais plus si je vous l'avais montré, mais comme c'est juste à côté on va, on va y aller en 2-2 deux -deux, et puis on va euh, je vais encore vous montrer donc euh, parce que ça s'étend, il y a encore plein de trucs. Il y a des trucs que j'aimerais voir, ils ont fait apparemment un plan de la map, mais je sais pas où il est. J'ai vu, euh, bah, euh, vu sur le Twitter de Madventure, n'hésitez pas, en description il y est à voir, mais j'ai vu sur le Twitter de Madventure qu'ils ont fait un plan de la map et je sais pas où il est. Donc euh, on, on ira le trouver. Donc là comme dit c'est la salle à mob avec des mobs qui tombent, on a une araignée qui vient de tomber. Et donc ici on récupère, donc ça c'est l'XP, et ici on récupère les loots. Non, là c'est les autres mobs. On récupère les loots ici, pardon. Voilà. Et en fait, on peut choisir son mode. Mais il me semble que je vous l'avais déjà montré. Mais on peut choisir le mode XP ou le mode farm. En gros, voilà. Le mode XP, les mobs ils tombent ici. Et, euh, et là, on peut récupérer l'XP. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Ça, c'est assez sympa. Et là, ça, la salle à mobs n'est pas moche. Je la trouve vraiment belle. Voilà, je la trouve vraiment sympa. Là, euh, Arthur il a marqué des points, euh, bien évidemment. Donc on va continuer par là. On a un moulin. On va pas aller à gauche. Voilà, c'est juste un moulin. Mais ça continue encore. Voilà, vous voyez là-bas voilà, vous voyez les torches et tout les, La canne à sucre Dites-vous que BXNO et moi, on était là-bas quand on a cherché un dauphin. Vous voyez ce que je veux dire Il y avait plein d'arbres autour et ça ne ressemble plus du tout à ce que ça ressemblait avant. J'ai vraiment du mal à... Et je pense que vous aussi, mais c'est très bizarre à vous imaginer tout ça, quoi. C'est inconcevable comment, euh, comment ça a évolué et je trouve ça fou. Mais là où on est, là, il y avait plein d'arbres. Il y avait plein d'arbres et euh, plein de mobs, surtout. Donc là, il y a un phare, ils ont fait un phare, ça ressemble au phare du, du Cordouan. Euh, je crois euh, Ici on a quoi Ici je crois qu'il y a des tortues On avait vu avec BXNo Il y a plein de tortues Oh c'est le zbeul Il y a plein de tortues mon pote Il y a plein de tortues mon pote Bon On va aller voir On va aller voir euh, Par là-bas hein. On va continuer Donc dites-vous voilà que là il y avait euh, euh, Mais non c'est même pas là en fait Qu'on a chopé les dauphins Il a tout terraformé hein. je, je comprends pas tout ce qu'il a fait a... C'est incroyable tout ce qu'il a fait Mais oh là là. Bref Donc là le, le phare Il a fait un petit phare C'est sympa On peut monter dedans Mais bon on va pas on va pas y aller. Euh, on peut même décider de l'allumer et de l'éteindre euh, ici. Mais comme il fait jour, on verra pas la différence. Mais voilà, là ça l'éteint, là ça l'allume. Mais comme il fait jour, comme on dit, on ne voit pas la différence. Et ici, donc il s'est fait encore une petite maison. Et on a fait plus ou moins le tour de tout ce qui a été fait en, en grosso modo. Parce qu'on n'est pas rentré dans les détails, bien évidemment. Je suis pas rentré dans les détails. Et dans toutes les baraques, mais voilà, il s'est fait une petite péniche. Non, c'est pas une péniche. Une péniche, c'est un bateau. Il s'est fait un petit. Euh, une petite maisonnette hein, sur l'eau tout simplement. Donc, c'est assez sympathique. Par contre, je ne sais pas où est le plan de la map. J'aimerais bien vous le montrer et, et le découvrir par, par la même occasion. Comme dit, ils ont fait un grand plan de la map où on se rend vraiment compte euh, de la proportion de, du truc. Je sais pas où il est. Je vous, je vous le montrerai euh, quand je l'aurai trouvé dans une très prochaine vidéo. Là, dans quelques jours, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur ma aventure et je vous montrerai. Ce qu'on a fait avec BXNO, moi et BXNO, notre truc en duo qu'on a, qu a réalisé, c'était mon idée, je l'ai commencé et BXNO m'a aidé derrière. Mais je suis très très fier, BXNO, pour en témoigner, parce que j'ai fait quand même... Eh, hey, j'ai le droit de le dire, j'ai le droit de ne pas être modeste, s'il vous plaît, mais j'ai fait le plus gros en termes de... Euh... En termes.. Voilà, j'ai fait le plus gros. BXNO m'a beaucoup aidé, déjà, pour tout ce qui est décoration. Vous savez que Déco et moi ça fait deux. Donc c'est BXNO qui m'a aidé pour toute la décoration. Donc vous allez voir, je vous, je vous spoil pas trop, mais je vous montrerai dans, dans, un, dans une très prochaine vidéo. Et puis en même temps, je vous montrerai le, le plan de ma dans cette vidéo justement euh, en question. Donc on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Finalement, c'est peut-être pas si long que ça. Je m'attendais à une vidéo beaucoup plus longue, franchement, pour tout ce qu'il y avait à montrer. J'espère que ça vous aura plu. Ma ça prend une ampleur énorme et considérable, alors qu'on n'est pas non plus énormément de joueurs. Mais ça suffit. Clairement, ça suffit. Sinon, ce serait vraiment. Le foutoir, déjà que là, c'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bombardé de pouces bleus, rendez-vous dans la description, surtout pour check le Twitter de Madventure, pour aller sur mon site mcolo.fr si jamais vous n'avez pas de Twitter, comme ça vous pouvez voir les tweets directement sur mon site, dans l'onglet Madventure, et surtout aller voir les chaînes des participants. Donc je pense à BXNO, je pense bon, à Créo qui est moins souvent présent, je pense aussi à Firestorm, surtout à BXNO, je l'ai déjà dit, je crois, euh, Anaïs également. Euh, je mettrai aussi les chaînes de Toonfu, etc. Même si du coup ils font pas de vidéos sur, euh, sur ma aventure, mais je mettrai toutes les chaînes des participants, qu'ils fassent ou non des vidéos sur ma aventure. Bref, rendez-vous pour de prochaines vidéos. J'espère pour l'épisode 100 bientôt, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Mais on sait jamais. Oh, on sait jamais. Restez à l'affût, restez la... abonné à la chaîne, évidemment. <laughs> rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était MColo, ciao tout le monde!